quoi? Pour papa, j'ai prévu beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a eu une très grande veillée à Bafoussam jeudi. J'ai essayé à mon niveau de recevoir tous mes invités. Tous étaient tellement contents. Au point où ils ne sont même pas rentrés. Nous sommes restés jusqu'à 5h du matin. C'est à 7h que le sommeil a pénétré tout un chacun. Et pratiquement, papa est parti de Bafoussam à 10h pour Baham Poums. Nous autres, nous sommes partis de Bafoussam, nous sommes arrivés à Baham Poums autour de 13h. On a donc commencé avec les préparatifs. Mais cependant, on préparait aussi ailleurs. De 14h-15h, les gens mangeaient déjà. Chacun a mangé à son gré et a bu. Si bien que j'ai déposé la boisson sur la table de mes collègues, ils ont dit non, 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 nous en avons assez. Ça, c'est déjà bien. C'est trop, c'est trop. Je garde ça pour les autres. Tout le monde est chef.
Est-ce que c'est la paix? Est-ce que les chèvres et les moutons, c'est la priorité? Non, c'est la réalité, maman. Non. Attends, tu as une autre vision. Tu as une autre vision. Mais regardez, tonton. Papa, seulement sa foi, ça nettoie les chèvres. Tout le monde mange, mange. Thank you.
Séjour le vide de ses pas ce départ. Que ta paix qui surpasse toute intelligence demeure sur cette maison, demeure parmi nous. Amen. Entre le corps et le collège pastoral. Dès qu'on arrive à la place des cérémonies, l'hôtel. Oui. Les instructions du protocole. Et toutes les instructions. Je pense qu'il faudra seulement jeter parce qu'on va tout faire pour oublier le serveur.